Agent artistique, producteur, acteur, le monde du cinéma lui doit énormément. Il a également créé le Festival du film francophone d'Angoulême. Mesdames et messieurs, pour remettre le Magritte du meilleur film étranger en coproduction, Monsieur Dominique Besnéard. Bonsoir. C'est un très beau prix que je m'apprête à remettre parce qu'il montre à quel point de belles choses peuvent se produire lorsque nous exploitons nos différences et que nous en reconnaissons toute la richesse. Un prix qui se fiche des frontières et des drapeaux, qui rassemble nos nominés sous une seule bannière, celle du talent. Découvrons à présent le vainqueur. Les nominés sont pour le Magritte du meilleur film étranger en coproduction sont... Éternité de Tran Anh Hung, coproduit par Patrick Kinney. Moins de deux années après Louis et Jean, vint Adrien, qui fut aussi calme et appliqué que ses deux frères étaient batailleurs et dissipés. À peine j'ouvre les yeux, de Leila Bouzid. Coproduit par Anthony Ray. La tortue rouge de Michael Dudoc de Witt, coproduit par Léon Peraya. Les Cowboys de Thomas Bideguin, coproduit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Thompson. Je sais pas que vous pouvez lui faire confiance. Je crois pas qu'elle risque de s'éloigner encore plus si elle sait que tu la cherches. Bien sûr que je vais la chercher. Elle a 16 ans, c'est une gamine. Justement, tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? La kidnappe? Ah ouais, parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. T'inquiète pas, je vais retrouver ta sœur. Et le Magritte du meilleur film étranger en coproduction est attribué à... La Tortue Rouge, de Michael Dubon de Witt, coproduit par Léon Peraya. Prix spécial Un certain regard à Cannes est nominé au prochain César et Oscar. La Tortue Rouge est coproduit par le prestigieux studio d'animation japonais Ghibli, mais aussi par la société de production Bellevision, représentée ce soir par Monsieur Léon Peraya. Après Minuscule en 2015, La Tortue Rouge est le deuxième film d'animation à remporter le Magritte du meilleur film étranger. Bonsoir. Bon, respirez, profitez de ce merveilleux moment. Chez Bellevision, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette coproduction avec Why Not et Ghibli. Mais nous sommes surtout très heureux d'avoir pu accueillir ce génie de l'animation qui est Michael Dudoc de Witt, qui est venu passer plusieurs mois à Charleroi qui vous demande de l'excuser parce que ça faisait de longues dates qu'il avait prévu d'être aux États-Unis ce soir, puisqu'il accompagne la sortie du film là-bas. Je voudrais aussi remercier et féliciter les prestataires belges qui ont participé à ce projet, Dreamhall, qui est notre filiale d'animation, mais aussi Piste Rouge pour le son. Angoulême, mais je parlais des Belges ici. bien sûr, ça a été fait. La production exécutive a été faite par Prima Linea à Angoulême. Et puis, Micros à Liège, qui a fait l'étalonnage du film. Mais je ne veux pas oublier aussi des financiers qui ont cru à ce film depuis le début et qui nous ont accompagnés. Wallimage, Paribas, Fortis, Ego West. Merci, bonne soirée.